L'histoire, c'est Orphée qui rentre tout de suite dans l'enfer, donc la cantate s'ouvre et c'est déjà une couleur extrêmement dramatique. Orphée rentre dans les enfers, trouve deux esprits criminels qui sont torturés à l'éternité. Et il y a juste cette scène-là qui est mise en musique d'une façon extrêmement expressive, qui est entre une idée d'instrumentation quelque part très ancienne, très consorte, et une expressivité presque avant-gardiste. Et ce qui est dans l'opéra très intéressant, c'est que Charpentier, il précise qui chante quoi. Tout le monde chante le rôle que Charpentier a indiqué, chante les ensembles qu'il doit chanter. Ça, on a appliqué assez strictement. Je pense que Reinhardt a vraiment une part très importante dans cette réalisation. Évidemment, j'apporte Vox Luminis, les chanteurs, mais il apporte les musiciens qui eux sont spécialisés dans cette musique, dans la musique française, plus que les miens, si je les avais apportés. Mais il chante aussi une énorme partie, que ce soit pour la cantate ou pour l'opéra. Il a une bonne vision des rôles, mais aussi de ce qu'il veut. Et on était assez d'accord quant à réutiliser une bonne partie des mêmes chanteurs. Ce qu'on a essayé de faire aussi, en tout cas ce que j'ai essayé de faire, c'est de franciser un peu Vox Luminis en utilisant des gens qui chantent avec nous de temps en temps ou même régulièrement, et s'assurer que le maximum était francophone, ce qui permettait évidemment une meilleure compréhension, mais aussi de pouvoir rendre le français restitué de manière plus naturelle. Ce qui est beau avec l'opéra, c'est qu'il est écrit à la fin du deuxième acte, fin du deuxième acte. Donc on ne sait pas si c'est la fin de l'opéra. Mais finalement, à ce moment dans l'opéra, moi je me trouve toujours dans le doute. Est-ce qu'on doit être heureux qu'il n'y a pas un troisième acte qui existe? Parce que ça laisse une espèce de open ending qui est tellement expressif, qui entre l'espoir d'Orphée, l'enfer qui est triste parce que Orphée part. C'est un grand soulagement pour l'enfer quand Orphée était là. Donc il y a ce doux amer dans cette scène, dans ce cœur final, dans cette petite sarabande qui est le plus grand génie qui existe, qui peut-être il aurait jamais pu reproduire dans son troisième acte. Donc ça c'est vraiment extrêmement spécial dans l'opéra.